Wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top, une journée de plus à profiter de la vie et des cadeaux de l'univers. Et aujourd'hui je voulais répondre à une question qu'on me pose assez souvent, c'est Migi, comment on fait pour commencer à méditer? J'arrive pas, c'est trop compliqué, est-ce que t'as pas des petites astuces? Aujourd'hui je vais répondre à ces questions. Donc là ça fait une semaine, j'ai recommencé le défi 1 heure de silence par jour. Donc, j'appelle pas exactement 1 heure de méditation, je vais revenir pourquoi, mais c'est 1 heure de vraiment tranquillité où en fait je fais rien au niveau appareil électronique ou parler à quelqu'un ou lire ou faire ce genre de choses. J'essaye d'être vraiment 1 heure avec moi-même dans le silence, en fait, dans la résonance de ce qu'il y a dans ma tête. Donc, j'appelle pas vraiment ça 1 heure de méditation parce que par exemple, si j'ai envie de m'étirer un peu ou faire ce genre d'exercice, je me laisse le faire, ou si j'ai envie de faire des exercices de respiration pour me recentrer un peu mieux, pendant 7 heures, je peux le faire. Donc, ce n'est pas 1 heure de méditation intense sans bouger. À chaque fois qu'on dévie des pensées, on se recentre. Ce n'est pas ça, c'est plus tranquille, et je trouve que c'est plus adapté pour nous les Occidentaux qui avons beaucoup de problèmes d'hyperactivité mentale en fait. Du coup, la méditation. La méditation, qu'est-ce que c'est concrètement? Moi, je peux vous donner ce que moi j'appelle la méditation, et puis je peux vous dire que tout le monde n'est pas d'accord sur ce que c'est la méditation, et puis que les gens, quand ils parlent de méditation, ils parlent de choses qui ne sont pas forcément exactement pareilles. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de moi, qu'est-ce que c'est mes techniques de méditation, et puis qu'est-ce que je fais, et qu'est-ce que c'est les compromis que j'ai justement pour incorporer ça le plus souvent possible, en faisant du bien à mon cerveau, mais pas que ça paraisse comme une tâche non plus, parce que souvent, c'est ça le problème. Pour moi, la méditation, en fait, c'est le fait de vraiment se centrer sur notre monde intérieur. C'est un moment de pause sur l'extérieur où on essaie de faire en sorte que l'extérieur ait le moins d'impact possible et où on se concentre vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? On a des ressentis tout le temps, en fait, qui se passent. Donc, corporellement, on sent des tensions, on sent des choses, on sent notre corps. Donc, si on ne bouge pas, on va sentir notre corps. Il y a aussi des pensées qui viennent constamment, constamment, constamment. Donc les pensées, c'est vraiment les mots ou les images qui viennent en tête. Moi, c'est vraiment beaucoup des mots. Ça, c'est mon gémeau intérieur. Donc toujours, toujours des conversations. Moi, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Sûrement chez vous aussi, mais moi, je ne peux parler que pour moi. Et ensuite, il y a aussi les émotions. Comment on sent dans notre cœur, dans notre centre émotionnel, en fait. C'est souvent lié aux émotions physiques, mais c'est pas que ça en fait. C'est aussi vraiment, justement, est-ce qu'on se sent heureux? Est-ce qu'on se sent triste? Est-ce qu'on se sent stressé? Est-ce qu'on se sent. Vous voyez, vous saisissez un peu le truc. Pour moi, la méditation, en fait, c'est se concentrer sur un de ces trois aspects. Donc, c'est pour ça que je vous dis que j'ai un peu mon terme à moi, en fait, hein. Parce que pour moi, quand on fait du yoga, quand on fait une position de yoga et qu'on la maintient, on peut totalement méditer sur la tension que ça libère ou sur justement le stretching, hein, le muscle qui s'étend. On peut se concentrer là-dessus. On peut se concentrer sur le souffle. Donc le souffle, ça va être pareil, ça va être une sensation physique. On peut sentir nos poumons se gonfler et puis se rétracter. On peut sentir l'air rentrer dans le nez ou dans la bouche en fait. Mais on pourrait aussi, par exemple, méditer en marchant. Pour moi, c'est aussi quelque chose de possible. Mais pour méditer en marchant, en fait, il faut avoir, de toute façon, pour tous les types de méditation, il faut avoir la pleine conscience. Je pense que c'est ça l'autre aspect très important de la méditation, justement, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, c'est essayer de toujours se dire qu'il y a les informations qui viennent, donc comme j'ai dit, physique, émotionnelle ou mentale, voire même les pulsions de désir qu'on pourrait encore mettre dans une autre catégorie, les envies et tout ça. Et du coup, on peut ressentir ses émotions et tout, et on est en fait celui qui ressent. Du coup, la pleine conscience, c'est quoi? La pleine conscience, c'est prendre le recul qu'on n'est pas les informations qui arrivent, on n'est pas le mal de dos, on n'est pas le stress ou on n'est pas le souffle, on est celui qui ressent le tout. Le truc qu'il y a là-dedans, on ne sait pas trop où, peut-être là-dedans, là-dedans, derrière, on ne sait pas trop où on est exactement. La partie vraiment profonde de notre conscience, en fait. On ne sait pas trop, mais c'est en tout cas observer tout ce qu'on peut ressentir en étant des antennes, des capteurs. Du coup, qu'est-ce que c'est mes conseils à vous pour commencer à méditer en fait? Déjà, le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est
Il faut pas que ce soit une tâche. Il faut pas que ce soit quelque chose de vraiment pénible à faire pour vous, en fait. Il faut pas que vous le voyez comme quelque chose de vraiment de quelque chose de compliqué, en fait. Ça doit être quelque chose qui vous fait du bien. Ça doit être un moment, en fait, où vous devez vous dire, ok, maintenant je vais méditer, je vais m'accorder ce moment, je vais me faire un cadeau. Il y a des parties de moi qui n'auront pas envie de se faire de me faire ce cadeau, mais je sais que pour mon enfant intérieur, pour mon être profond, ça va m'être bénéfique, en fait. Il y a souvent des gens, en fait, j'ai une analogie que je sors souvent aux gens, les gens ils me disent ah mais moi oublie, moi c'est trop le stress dans ma vie, moi toujours des choses à faire et tout, moi je peux pas méditer à chaque fois que je commence, j'ai trop de stress, j'ai trop de choses qui me viennent en tête. Du coup, c'est pas pour moi la méditation. Cette phrase pour moi, c'est comme si je vous disais ah non mais tu sais moi ça fait des années que je me lave plus, et puis là maintenant, moi je pue tellement, c'est trop chaud, je peux pas prendre de douche parce que là je suis vraiment trop sale. Ah bah, quelqu'un qui dirait ça, on se dirait, mais mec, ça va pas, t'as pas la bonne logique là, justement, il faut prendre des douches pour être propre et puis arrêter de puer en fait. Bah, la méditation, c'est une douche mentale en fait, c'est ce qu'il faut se dire. On a toujours des pensées qui viennent un peu parasiter notre système d'exploitation interne, donc notre psychologie. Et en fait, ces pensées, elles viennent un peu comme des pop-ups sur un écran d'ordinateur qui viennent nous dire attention, alerte, attention, alerte, attention, t'as un logiciel, il va pas bien, attention, t'as un logiciel. Logiciel, on pourrait dire que c'est une partie de notre vie, le travail, la famille, les amours, les amis, tout ça. Il y a un logiciel qui va pas, puis des fois, il y en a même plusieurs. Et en fait, l'anxiété, c'est un peu comme ces alarmes qui viennent tout au long de notre journée, en fait, nous sortir de notre concentration pour nous dire. Hey, oublie pas, t'as des dettes. Hey, oublie pas, y a un problème avec ton ex. Hey, oublie pas, t'as un problème avec tes parents. Bla 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 bla. Et en fait, la méditation, c'est un moment où on va dire, ok, j'arrête de faire tout ce que je suis en train de faire, et maintenant, je vais écouter ces signaux d'alerte. Et ce qui est formidable, en fait, avec la méditation, c'est qu'on peut voir qu'une fois qu'on écoute ces propres signaux qui sont générés de l'intérieur de nous, comme un message pour nous-mêmes, en fait. Ces signaux, ça peut aussi être des émotions, des douleurs physiques, justement. Une fois qu'on les reconnaît, qu'on leur donne de l'importance, de l'intention, ils arrêtent d'apparaître tout le temps. C'est ça qui est formidable avec la méditation, en fait, c'est que plus on médite, plus ça devient simple de méditer, parce que plus on a vidé toute la poussière qu'il y avait sous le tapis. On peut aussi faire cette analogie, donc on aimerait se coucher sur un tapis, mais il y a plein de merde accumulée depuis des années sous le tapis. Du coup, c'est pas agréable. Et en fait, des fois, il faut juste lever le tapis, sortir un peu les choses, reconnaître les émotions qui sont un peu enfouies en nous, pour après pouvoir se coucher et puis vraiment profiter de la vie en fait sur ce beau tapis. Le beau tapis qu'on a, c'est notre corps qui est un temple. Donc la méditation, évidemment, mieux on sera en santé physique, santé mentale et santé émotionnelle, plus ça sera simple d'être dans l'instant présent, dans le silence, parce qu'on va pouvoir profiter de la grâce de l'univers plutôt que justement se dire, ah mais je subis un peu. Ben justement, les mauvais côtés de l'univers, hein, la souffrance, toutes ces choses qui sont inhérentes à l'existence. Donc, premier principe bouddhiste, la vie est souffrance, c'est comme ça. Du coup, un gros conseil que j'ai à vous donner si vous voulez apprendre à méditer ou commencer à méditer, c'est il faut être régulier et il faut faire des objectifs qui sont faisables. Pourquoi? Parce que si vous faites des objectifs qui sont faisables, vous allez les réussir chaque jour, en fait, et vous allez avoir une meilleure estime de vous-même. Le problème avec la méditation, c'est que souvent les gens ils commencent trop haut. Ils se disent, je vais faire 1 heure de méditation par jour. Et ils commencent, et le premier jour, au bout de 12 minutes, ils sont totalement what the fuck, le temps il passe trop long, il faudrait que je fasse des autres choses. Et ils vont faire des trucs totalement inutiles à la place. Genre aller sur Insta ou j'en sais rien. Et le problème en fait, c'est qu'après on se dit, ah non, mais j'ai pas réussi mon défi, du coup c'est que je suis nul, du coup c'est que je peux pas méditer. Ça, c'est parce qu'on a mal attribué nos objectifs. Je pense que vraiment, pour commencer à méditer, le plus important, c'est de se donner un objectif tellement facile à réaliser, en fait, que ça va vous lancer sur la bonne direction. Donc, si vous n'avez jamais médité de votre vie et que vous n'avez pas l'habitude d'être dans le silence, je vous conseille fortement, vous commencez par 2 minutes de méditation par jour. 2 minutes où vous vous asseyez quelque part, un endroit sacré, vous allez faire un petit coin dans votre appartement ou dans votre maison, justement, voire dehors. Vous allez tout bien ranger, puis vous asseyez 2 minutes sans rien faire là-dessus, dans cet endroit. Puis pendant 2 minutes, vous faites rien d'autre à part être là, présent avec le moment. Vous mettez le réveil et après 2 minutes, 2 minutes ça va passer très vite, vous allez et puis vous faites ce que vous voulez.
Vous faites ça pendant une semaine. 2 minutes chaque jour pendant une semaine. Si vous n'avez jamais médité, vous commencez comme ça. Ben après une semaine, normalement, vous allez tous réussir. Si vous réussissez pas, il n'y a pas de souci. Vous changez, vous faites 30 secondes ou 1 minute, c'est égal. Si vous arrivez facilement, ce que vous faites, vous laissez toujours faire plus que 2 minutes. Toujours plus que l'objectif. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait 2 minutes et que vous voulez continuer, vous pouvez continuer, il n'y a pas de souci. Mais vous vous imposez ces 2 minutes. Après, justement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est commencer à faire 5 minutes par jour de silence. Et après 10 minutes. Et après 15 minutes. Et en fait, chaque semaine, vous pourrez augmenter ou rester au même niveau si vous sentez que c'est ce qu'il faut. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer comme ça, en fait, parce que vous allez toujours progresser, vous allez toujours voir une amélioration, puis vous allez vous dire, waouh, en fait, j'arrive à méditer à chaque fois plus, à chaque fois plus. Et le fait de faire justement ça tous les jours, ça va vraiment recalibrer votre cerveau, refaire les branchements de votre cerveau pour vous habituer à avoir ce petit moment chaque jour que vous vous accordez à vous-même. Puis vous verrez comment ça fait du bien, en fait, de pouvoir se dire, vous allez même commencer à justement anticiper ce moment avec vraiment beaucoup de joie. Au début, ça va être, oh, putain, je dois encore faire cette méditation là, je dois encore faire 15 minutes de silence, je vais de nouveau penser à 150 000 trucs. Et justement, plus vous allez le faire, et plus ça va être, oh, je me réjouis de finir le travail là pour pouvoir me poser 15 minutes et puis juste être avec moi-même dans la plénitude de l'instant présent et dans la plénitude du silence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est mon petit conseil tout simple en fait pour commencer à méditer. C'est juste de se donner des paliers de temps fixes, si possible chaque jour à la même heure, justement pour aider le calibrage, et de s'y tenir et de toujours augmenter. Mais surtout de ne pas avoir peur de commencer trop bas. Parce que c'est mieux de faire 2 minutes de méditation par jour que d'essayer de faire 15 minutes et puis de le faire juste un jour et après de se dire que vous êtes nul et que de toute façon ça ne sert à rien. Voilà. J'espère que vous vous portez bien et puis je vous retrouverai tout bientôt pour faire une autre vidéo sur la méditation. Je vais profiter de ce défi pour pouvoir vous parler un peu de différents aspects de la méditation. D'ici là, j'espère que vous vous portez bien et que vous prenez du temps avec vous-même parce que vous êtes la personne qui comptait le plus de votre vie. Ne l'oubliez jamais. Allez, namasté tout le monde.